Comme annoncé hier, l'histoire d'amour entre l'Atlético Madrid et Antoine Griezmann est terminée. Griezmann sera resté 5 ans chez le club Colchoneros. Il va très probablement rejoindre le FC Barcelone. S'il ne rejoint pas le FC Barcelone, il va rejoindre le PSG. Mais je ne pense pas qu'il rejoindra le PSG. Sa clause libératoire s'élève à 120 millions d'euros. Je pense que tout est déjà acté côté Barcelone. Il manque juste l'annonce officielle. Ce départ est franchement très compréhensible. Déjà que l'année dernière, il devait partir, mais il est resté une saison de plus. Cette saison n'a pas été sa meilleure saison à l'Atlético Madrid, que ce soit du plan personnel ou du plan de vue de l'équipe. À l'Atlético Madrid, il lui a manqué certaines choses, des trophées. S'il aurait gagné des trophées, il ne serait jamais parti, j'en suis sûr. Il est vraiment très bien à l'Atlético Madrid et je pense que ça lui fait mal de quitter ce club. Mais c'est un footeux, un gagnant, un compétiteur. Il veut donc remporter des trophées. Il a gagné la C3, oui, mais ce n'est pas ça qui va le rendre heureux. Il veut gagner cette Ligue des Champions, cette Ligue des Champions qu'il devait gagner lorsqu'ils étaient en finale face au Real de Madrid. Puis un certain Sergio Ramos en a décidé autrement. Avec le départ assuré de Hernandez, Godin et d'autres joueurs, ils ne sont pas encore sûrs de partir. Mais pour leur dossier, il y a un point d'interrogation. On peut se demander si l'Atlético Madrid n'arrive pas sur une fin d'ère. On pourrait même se demander si l'entraîneur lui-même ne pourrait pas changer. Mais non, je pense pas que lui pourrait... Enfin, moi, je réponds à ma propre question pour répondre à ça dans les commentaires. Mais je pense pas qu'il pourrait changer du moins maintenant, tu vois. Il pourrait changer d'ici 2 ou 3 ans, mais pour le moment, ils ont besoin de lui pour rétablir de nouvelles bases et aller de l'avant. Parce que, ouais, on arrive quand même à une fin d'air chez les Colchoneros. En tout cas, j'ai hâte de voir les Clasico. Pogba va rejoindre le Real de Madrid. Ce n'est pas encore signé, acté et tout, mais il va rejoindre le Real de Madrid. Et de l'autre côté, on aura Griezmann. Les Clasico seront bien drôles. Griezmann d'un côté, Pogba de l'autre. En tout cas, pour le moment, le FC Barcelone a 3 recrues. De Jong, Griezmann et De Ligt. Très probablement. De Ligt, c'est soit Barça, soit Real, soit Juventus. L'une de ces 3 équipes, c'est sûr et certain. Faut toujours garder en tête que le PSG essaie de tacler le Barça sur le dossier Griezmann, mais je pense pas qu'il va rejoindre le PSG. Franchement, je pense pas du tout. Maintenant, pour vous, dites-moi qui seront les prochaines recrues sur la liste du FC Barcelone. Dites-moi dans les commentaires juste en bas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Laisse un like, abonne-toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Demain, je vous envoie une très bonne vidéo. Enfin, très bonne, de mon point de vue. Après, vous me direz dans les commentaires ce que vous en penserez.